3, 1. Keza. 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 Le plaisir, je le prends quand je repère un spot dans la rue complètement à l'improviste et que je rentre chez moi et que voilà, je prends le temps de le faire. En un mois, en 2 mois, je le fabrique le collage. J'ai le temps. J'imagine bien le collage, mais pas dans le détail. Non, je reste devant, planté quelques minutes, quelques secondes, et j'essaye de réfléchir. On va dire que je vais imaginer en premier lieu le sens du départ de l'oiseau. Ça me donne une idée qui se développe chez moi après. Tu vois, c'est vraiment le type de façade que je toucherai pas. Parce qu'en elle-même, elle fait déjà une œuvre d'art. On va prendre un peu de couleur. Le bonheur. Bah dis donc, on a produit de la merde. Hein. Je prends du noir pour que le macaron il soit raccord avec l'aigle qui sera noir. Voilà. Et comme l'aigle il va venir mordre la découpe, ça va venir mordre ici. Si c'est de la couleur là, ça va être compliqué pour moi de mettre la couleur sur l'aigle. Découpage. Celui-là il est toujours en place. Hein. Il y a la main qui sort d'un comme ça avec un plateau avec un petit déjeuner dessus, du jus d'orange, café. Pendant la découpe, le disque il se déforme. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup ben, il se fige dans cette position-là complètement tordue. Et simplement en le posant sur une surface plate et en le chauffant, il retrouve sa position initiale. La question de faire sortir des oiseaux de ce support, c'est venu un peu comme ça, dans une grande spontanéité. Et la musique qui s'envole, je trouve ça génial. Des chats, des corbeaux, les souris, les rats. Et divers oiseaux, voilà, c'est vraiment des animaux que j'ai voulu mettre en avant parce que en cohérence avec l'urbain, quoi, qu'on retrouve en milieu urbain.
fois, je constate qu'ils ont été dégradés, ou alors il y a des pièces manquantes. C'est dommage, parce que là, on voit plus que la moitié, c'est cassé, ça profite à plus personne, en fait. Même si j'ai toujours dit que c'était la rue, je respectais le mouvement de la rue, c'est il y a une part d'éphémère, c'est comme ça. Quand je pose mon collage au sol, que j'y mets la colle dessus, j'ai toujours une appréhension, j'ai le cœur qui tape quand même, il y a vraiment un stress qui est présent. J'ai toujours l'angoisse qu'une voiture de police passe, de me faire arrêter tout bêtement. C'est aussi pour ça que quand les gens passent à côté de moi, voient ce que je fais et me parlent, j'ai du mal à leur répondre. Je suis très concentré sur ce que je fais, parce que je suis assez stressé. Être dans les vernissages, au milieu des autres, être confronté au public qui pose des questions qui sont complètement légitimes, qui s'intéressent, et c'est normal. Moi, je suis pas là-dedans, ça me correspond pas, en fait. J'ai envie d'avoir la paix, quoi. J'ai envie de pouvoir être anonyme, c'est tout. La plus belle chose que j'ai vue dans l'ensemble, c'est cet oiseau qui sort de son disque comme s'il chantait ce qu'il y a sur le disque. Par terre, écris sur les murs, écris si c'est dur. Écris-moi ta rage, écris un message, je lirai au passage. Au passage, écris tes banderoles, reprends la parole. Écris tes slogans sur nos murs trop blancs, en bombant couleur ce que t'as sur le cœur. Je la prendrai par cœur, écris que tu reviendras, en gros ou en gras. Écris que t'es pas loin, écris dans les coins, que c'est pas fini, écris-moi en petit.